chercher et puis on va jouer. It's go time. Ah, Nightcross est là, bon. Ça fait plaisir. On est ready. Un Nightcross Diamond. Mais qu'est-ce que tu fous en Allemagne? Voir qu'est-ce que je fous en Finlande. Ouais, j'ai chopé la petite crève de convention, c'est sûr. Ça va être beau à Valence. Oh là là, le retour du Sensei. Il va tellement nous infiniser la poire. Les drapeaux de la Belgique. Ah! Ah! Qu'est-ce que tu fous en Allemagne? Quel con. Round 1. Bon, alors. Fight! Ouah, tu peux. Ah, ça abuse tellement ça. Oh, le middle kick, c'est tellement l'arme parfaite. Oh là là, le devant derrière. Ah ouais, d'accord, tu peux faire comme ça. Encore tout à apprendre. Oh, quoi? Tu peux faire ça? Tu peux te retransporter? Depuis quand? You lose. C'est possible ça? Ah ouais, d'accord. Round 1. Fight. Le reach du truc. Le petit bait. Ce petit bait. Il s'en fout. Il s'en fout. Il joue au DBZ. Round 2. Fight. J'existe pas, hein. Oh là là, la choc qu'elle a pris sur la glissade à bas, quoi. Voilà, ils sont très durs. Oh là 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 là. Il est beaucoup trop solide. Hein. En même temps, bon, la longueur de jeu, il est stratosphérique. Hein. Round 1. Fight. Oh là là, tu peux le mettre mitty ça, j'ai pas le temps de me téléporter. Il y a des resets de combo qui sont juste immondes quoi. Oh le. L'exé elle est juste mongole. Round 2. Fight. J'essaie de trouver un petit peu le... une fenêtre. Oh là là, ça va être très très dur de lui mettre un rang. La solidité des combos. Devant, derrière, boum. Il est chaud. Mais du coup, je vais pas jouer. It's go
Non, ça c'est bon. Personne sur le salon, quoi. Personne joue au jeu. Pour venir sur mon salon, normalement, il faut faire une recherche. Mot de passe, c'est 1239. Depuis saison 2, tu peux cancel Yoga Gale. Attends, Yoga Gale UX par V-Skill. Et V-Skill par téléport. Ah oui, non, mais là, va falloir que j'apprenne ça. Tryhard. You lose. Ah non, mais en plus la saison 2 quoi, genre le personnage est déjà plus pareil quoi. Merci Blue Harvest War. Déjà ça a été dur de pas faire la glissade avec la diagonale quoi, de faire la glissade vraiment avec un bas safe parce que sinon ils ont rajouté un coup de pied bizarre. Quoi. Fight. Il va tout venir. Merci beaucoup pour les harangues. Round 2. Fight. Et putain, depuis tout à l'heure, je regarde le Dalsim de Nightcross. Quoi. En fait, on l'a switché devant, derrière, en player. Là, je suis un peu perturbé. Je rappelle qu'à part le Z Event, j'avais pas joué depuis au moins 6 mois. Oh oui, putain, les combos. Ah là là, putain, le timing est tellement bon. You lose. Le timing est si bon. Sur le devant derrière, c'est infinisant quoi. Oh là là, quel Dalsim. Alors je regarde encore le Dalsim de... Oh là là, c'est chaud. Ça c'est parfait.
On a évité le perfect, mais il est dur. Il est très très dur. Round 2. Fight. Merci beaucoup, Kilou. Oh là 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 là, la pression qui est. En fait, moi j'ai pas l'exé, j'ai que les mind games d'essayer de comprendre à quel niveau on est en train de jouer. Quoi. C'est bon, il est énervé, il est pas content. Sa mère la pute. Et du coup, on va regarder Snippy jouer contre Nightcross. Après Nightcross va jouer tout seul, quoi. Passé à 500 subs, laissez-moi aller voir ça sur Streamlabs et remercier tout le monde d'un seul coup parce que c'est quelque chose qu'il est possible de faire. Oui, oui, oui. Fight! C'est Goku qui a ressorti son personnage Silver de l'an 40. Il se passera rien. Merci beaucoup à la fripouille. Merci à Dr. Carré, merci à Drax, merci à Mami Nova, merci à Jackie the Mushroom, merci à Ribs, merci à Liu d'Essentiel, merci à Hiroshidan TV, merci à Soulblood, merci à Fury, merci à Nubestar, merci à Shinju, Vif Argent, Notriar, Exonix, Jeanne the Mountain, Gérard, Mr. Blaz, Lazouyal, LGTV, Antoine Bouki, Telvid, Vulcain FR, Lord Gaben, Le Discret, Le Port Errant, La Nuit, Rock Song, et voilà. Oh, il place une super. GG Snippy. Cette petite claque humiliante. Dalsam wins. C'est marrant, ça me donne pas l'alerte des resubs par contre. It's go time. Et merci à Tsukiki pour ses 25 mois totalement fou. Ah tiens, j'ai jamais joué contre Akuma. 25 mois totalement fou. Avec nous. Ah mais j'ai pas mis le choix des persos, ouais, c'est pour pas qu'on perde de temps non plus. Attention Akuma. Ça joue Akuma 610 PL, comment ça se fait? Pourquoi avoir acheté Akuma quand on a pas testé le jeu? Quand je me suis resub, t'as vu l'alerte, d'accord, ok. Non, mais je veux dire là, en regardant en arrière. Round 1. Fight! Le combo qui est pas sorti, Sensei qui va me juger. En plus, j'ai jamais joué contre Akuma de ma vie. Ah, il s'en fout.
Il dit qu'il s'en fout. C'est violent Akuma, hein. C'est pas pareil hein. Non, le perso qui fait le plus de dégâts contre le perso qui a le moins de vie. Kenpachi, je connais de nom, ouais. C'est un hareng. C'est un hareng. Merci, ma poule, tu es un hareng. Merci, vif argent. Merde, je suis pas dans le jeu. Bah oui, on l'a refait. Enfin, c'est les premiers à trois, de toute façon. Round 1. T'as battu Ganondorf. Putain, c'est pas le même timing que pour Ryu, hein, les Hadouken. Putain, les dégâts qu'il fait, quoi. Le dragon est toujours biffé, hein. Alors là, c'est... Je peux compter dessus. Petite boule. Il est présent. Il en reste quelques-uns des slots pour les immobiles. C'est sur direct. En même temps, c'est Hadouken, je saute. Oh merde, c'est quoi ça? Oh la vie! Ah putain, je devrais faire une petite pour me protéger plus. Oh là là, elle passe jamais. Oui, la femme, c'est bien. Y'a pas de choc. Rafiki Mustapha. Rafiki Mufasa. GG. Dur à appréhender Akuma, hein. Il est surviolent quoi par rapport à un yoga. Round 1. Fight. Putain, je les loupe mes trucs. Oh là là, il fait mal. Round 2. Oh merde putain, ça s'enchaîne comme il veut. Ah ouais. Et quand il place la furie, ça fait très très mal.
Quoi? Putain, GG. Final round. Fight. Qu'est-ce qu'il est violent quoi, Akuma, putain, c'est la première fois que je joue avec lui quoi. Pourtant Akuma a gagné l'Evo. Hein. Mais Dalsim est arrivé très loin. Hein. Arrivé top 10. Hein. Non mais en fait il est solide, hein. T'as pas beaucoup de PL mais Akuma c'est ce qu'il fait. Hein. Ah, il veut pas la refaire. C'était 3 pour toi. It's go time. Moi je veux bien jouer contre Zensei. Hein. On va prendre une petite roost. Ouais, une petite baf. Je rappelle hein, que vous pouvez juste chercher le serveur Benzai et le mot de passe c'est 1239. 1239. ...19 000 PL, je suis diamant, niquez vos mères, il est trop fort, les gars. En fait, le but, c'est que je joue... En fait, je joue pas Dalsim, je pose pas mon jeu. Je dois jouer anti-Nightcross. Round 1. Fight. Ce qui me demande d'être plus... Réflexe choc. Attention, la tapette à mouche. Oh non, mais ça c'est dégueulasse. Ça... Non, mais qui fait ça? Ça veut rien dire. Non, mais là, il les voit arriver. Ah, par contre, le petit devant derrière est bien placé. C'est bon. Tout est là. C'est... Vous vous rendez pas compte tout ce que je dois donner pour lui mettre une tapette à mouche quoi, genre. Pour lui mettre un taquet. Round 1. Fight. Et lui il nous passe ces trucs. Lui il nous passe ces air jumps. Moi j'en suis encore là quoi. Ouais, d'accord, je suis tombé dessus comme ça. Combien il est son... ah. Bon, on arrive à 50% de sa vie. Round 2. Fight.
C'est comme un boss de Dark Souls. Ouais, non, mais il est infernal. Il est infernal. Round 1. Fight! De toute façon, j'arrive pas à faire mes instants RTP quand je veux. Déjà, j'ai pas d'Alcim en fait. Je joue avec un semblant d'Alcim. Un peu d'Alcim. Oh là là, comment il intercepte quoi! Oh là, et après c'est l'infini. Pourquoi j'ai pas le temps de faire une chope là? Oh là là, après le drill, putain, pas de chope, c'est frustrant quoi. Il est trop de just frame sur le bout du pied là. Round 2. Fight! Ça c'est nul, nulissime, nul. Il sait que ça arrive. Oh là, tout ce qui m'est mythique. C'est vraiment un boss de Dark Souls. Ah, les trucs que je vois venir, mais la moitié des trucs qui font le plus mal. Mais déjà, de toute façon, faut que... Souvenez-vous, mon combo de merde qui ne sortait jamais. Regardez ce que j'ai tweeté, ce que j'ai retweeté. Round 1. Ce mashup de l'enfer. Ah, Nightcross qui a... Ah, tu joues le nouveau perso. Alors, qu'est-ce qu'il donne? Il a l'air ouf. Moins chiant à jouer que Dalsim. Le devant derrière doit être immonde. Et il se laisse pas faire ce qu'il dit. Round 2. J'ai fait quoi? Benjamin Juno. Ah, la défense quoi. Sa démarche est bizarre quand même. On dirait que c'est pas le même jeu. Menat wins. Ah, si vous le refaites, je vais me prendre faire un café, un déca pour ma gorge. Round 1. Fight. Oh.
Round one. Fight! Menot wins. Qu'est-ce que j'ai loupé? Snipey a gagné. C'est un hareng. C'est un hareng. Merci ma poule, tu es un hareng. Idrish. It's go time. Vas-y, joue Akuma, on joue contre... Let's do this. Ah oui, on se fait auto-hoster par Mister MV pour 832 viewers en plus. Donc on a doublé les viewers. Bienvenue chez nous. On joue à Street Fighter 5. Parce qu'on s'est saucé pendant le Z-Event. Et nous avons un guest de qualité en la présence de Nightcross, le sensei du Dalsim du mal.
ici joue un Zangief pas piqué des hannetons. Round 2. Fight. Merci beaucoup pour ceux qui ont sub. En fait, le but c'était plus de vous dire qu'on fait des nouvelles emotes et que les subs sont moins chers. Mais c'est-à-dire que sur ce PC portable, on stream Street Fighter dans de meilleures conditions que lors de sa sortie quand on streamait sur mon PC avec une 670. Zangief, la patate est entrée dans ton salon, Benzaï. Ah ouais? Cool. Mais pour Willy, tu viens pas jouer? T'as pas ramené ton Ekali? Round 1. Fight. Y'a pas Sim Sim qui veut venir dans le... dans le salon. Round 2. Fight. Mashup Zangief Dalsim, il est bien pour Dalsim, mais les mecs qui jouent Zangief à un niveau. On a eu des Zangief tellement vénères à l'Evo, ça fait peur. Hein. De toute façon, j'ai peur de tout le monde. J'ai peur de tous les persos. Ça aurait été bien que Nightcross soit rang 1999, comme ça, là, c'est tu veux François Junot et c'est parti. Quoi. En 1999. En 1900, ce serait un beau, une belle chanson, une belle parodie de chanson, le rang 1999. Et pour les veaux, quoi de beau, quoi de neuf? Sortiras-tu ton plus beau Dalsim? Round 1. Fight. Sur la ladder, quoi de beau, quoi de neuf. Bien sûr, Snippy, je me souviens, je t'en dois une, le jour où tu m'as laissé gagner quand j'étais trop en PLS sur mes rangs. Combien de thunes lâcheras-tu pour te faire sortir en poule? Allez, cette année. T'as absorbé la furie. Zangief wins. Il est tellement plus beau sur PC, le jeu. C'est quand même ridicule que les retransmissions soient faites sur PS4, là où le jeu est hyper sharp et dégueulasse et fait ancienne version, alors que tout le post-process de la version PC, c'est le jeu terminé quoi, c'est le vrai jeu. Contre le Zangief de Nightcross. Oh, Rufio qui vient. Tu lances un salon Stress F5 et t'as des revenants. Mais moi ça m'intéresse. Un peu bourré des culs.
Round 1. Fight. Alors comme je disais, hein, le match-up normalement c'est 100-0. Zangief manque d'armes pour venir me voir. Le match-up d'Alcim. Non, non, il est désinstallé le jeu chez moi. Reste loin de moi, reste loin de moi, allez, reste loin de moi. Comment il casse mon Dalsim, c'est chaud. Ah là, ça me fait mal au cul. J'ai très mal au cul. J'ai très mal au cul d'avoir pris un instantané contre un perso où j'ai le match-up, quoi. Round 1. Fight! Qu'est-ce qu'on fait? Oh, tout est en mythique, putain, même la glissade elle passe pas, quoi. Oh, le timing il les a trop dans la tête. Reste loin. Oh non, la glissade, je voulais la mettre au bon moment. Oh, il est trop carré. Mais j'ai moins le match-up que son Dalsim, quoi. Merde, je suis passé sur Twitter, du coup j'ai pas fait la dernière. Tant pis. Un Nightcross, c'est un Abigail. Oh là là, ça va faire 10 nailles par un Zangief comme ça. Get
Oui, Yoga Patate, c'est l'un des premiers maîtres du yoga. L'un des premiers maîtres yoga qui nous a inspiré à devenir nous-mêmes, suivre nous-mêmes la voie des yogis. Juste déçu parce qu'à un moment on m'a expliqué qu'il avait fait des rachats. Je pense que les prescriptions quand même. C'est ça. Tu te rends compte la boucle quoi? Oh, et Nightcross qui a tout à fait. Abigail wins. Il est trop laid quoi. Round 1. Fight. Seiya. Toa. Hadouken. Boya. Toa. Hadouken. Ça passe par-dessus la Dokken. Il s'en fout quoi. J'ai ce qu'il dit. Tellement gros le perso quoi. Oui d'accord, ça bouge. Nightcross est top 2000 mondial, donc et voilà. Même si on sait très bien que le live n'est pas non plus le vrai championnat du monde, parce que finalement le top 1 du la ladder, c'est pas le meilleur joueur en tournoi. Et être le meilleur joueur du monde dans son canapé, c'est déjà bien. Abigail wins. Sa pose de victoire est à chier quoi. La gueule Xbox. Round 1. Fight. Par contre ce FT3 est infini, j'aurais dû mettre du FT2. Yeah.
Après, peut-être que Nightcross a pas tout à fait, donc du coup il spam beaucoup la même chose. Putain, quand il rate ça, super. J'ai l'impression que le stream, le blur en fait, le blur de Street Fighter, ce que les bonhommes ont l'air de se dénouer. Bibi se laisse pas trop faire. Hein. C'est vrai qu'on dirait un perso d'un mode. Ah mais de toute façon, les deux derniers, là, Abigail et la meuf avec sa boule de cristal, ils sont tous plus intéressants que l'espèce de gars de boxeur bizarre là. Ah oui, dans la VF de South Park, je suis saoulé. Grosse promesse, Ubisoft. Ça va rester un embarrassement national, hein, cette VF. Hein. Ça va être le malaise total, absolu. On y pense qu'on jouera en le free. Le malaise va être absolu. Qui ont été trop gourmands. Je sais pas, j'ai vu le doubleur de Kyle qui a expliqué que ils avaient juste demandé les mêmes engagements qu'avaient été signés avant que le jeu était décalé. Abigail wins. Après, Ubisoft peut... Enfin, de toute façon, Ubisoft n'ont pas dit genre « Oui, désolé, on n'a pas trouvé d'engagement. » Ils ont juste dit « On n'a pas trouvé d'engagement, d'arrangement. » Alors que dans les autres pays, c'était possible. Ils le prennent comme ils veulent. Ils ont promis une VF avec les voix officielles. Finalement, ça s'est pas fait. C'est genre ça Ubi de s'aligner en fait, enfin vraiment c'est eux les producteurs du jeu, c'est pas les doubleurs. Qu'est-ce qui s'est passé, les mecs jouent mieux quoi, mais jouent trop bien. J'aimerais bien voir Yoga Patate 188. Ah mais il est passé, il a accédé à la divinité quoi. C'était pas genre top 500 déjà à l'époque, le gars patate. Ah ouais, non mais là ça va être très très difficile. Hein. Désolé Bakadash. Ah ouais, Yoga Patate. Ah, j'aimerais tellement se faire combattre Yoga Patate et Nightcross. Je sais pas s'ils se connaissent bien ou quoi, ou s'ils s'aiment bien ou s'ils aiment pas. Je m'en fiche. On est là pour le show avant tout. Clairement, rage quit ou pas rage quit, Yoga Patate se pose là. Cette skin est stylée. Hein. Ah oui, là c'est 100-0. Hein. Allô. Non, les mecs sont vénères. Hein. C'est ça, le nouveau jeu South Park aura une VF. Promise avec les voix officielles. Et finalement, en fait, ce sera une autre VF. Ce sera une VF. Du coup... À la première ligne de dialogue où South Park Cartman va parler avec sa fausse voix, ça va être le malaise absolu après 20 ans. Enfin, pas 20 ans, mais après 16 ans. Quoi. Ah, il voulait pas miroir Dragon Ball Sim, j'ai laissé ma place. Oh merde, vous aimez pas les matchs miroir Sim? Bah,
les gens vont laisser la VO, mais moi je trouve que c'est une... En fait, l'histoire ne retiendra que le fait qu'Ubisoft a merdé sur ce coup-là, en fait. Genre, tu peux prendre comme tu veux, hein. C'est... Est-ce que les acteurs ont vraiment été trop gourmands? Est-ce que Ubisoft a été trop radin? Ça, ce sera qu'une... Ce sera qu'un détail dans le fait que le jeu, c'est un jeu Ubisoft. Il y a la VF dans les autres pays. Ubisoft n'a pas réussi à séphiser une VF, quoi. C'est tout. C'est de leur faute en termes de production. Round 1. Fight! Donc ils vont essayer de sauver les mobs, mais ça va être un malaise absolu. Et sachant que il paraît que les doubleurs, de ce que j'ai vu sur Twitter, les doubleurs m'ont pas demandé autre chose que ce qui était prévu à la base avant que le jeu soit repoussé. Ça la fout mal, c'est tout. Non, enfin, pas la VF dans les autres pays, je veux dire, il y a la vraie version. Genre en Italie, en Espagne, en Allemagne et tout, ils ont les vraies voix du cartoon. Ils ont leur vraie version à eux, quoi. Même s'ils prennent des imitateurs, ce sera le malaise. C'est malaisant, quoi. Si c'est pas les vraies voix, quoi. Bah oui, en plus c'est un studio c'est une PME française, quoi, et ils ont pas... Enfin, pour moi c'est de la faute de la production, quoi. C'est genre... Round 1. Fight! Moi, il les maltraite. Que Taienki est tellement agressif avec son Akuma. Round 2. Fight! Il faudrait que je change le salon, mais je sais pas comment. Mais là on est trop pour remater des FC3, c'est clair. Fight.
Ça repêche avec la... Non, je devrais vraiment observer ce match. C'est, il a pu le repêcher avec la glissade après ce truc-là. Round 2. Et Yankee, il bourre toute sa vie. Il bourre à mort, quoi. Ce bourrage. Il bourre toute sa vie. Il est parfait. Il est tellement parfait, quoi. Ah. Oh, ça a touché. Il l'avait tué. Dotham wins. Non, mais il est chaud, hein. Le Dalsim, là, le Akuma, il est bourrin. Round 1. Fight. Marvel Capcom, non, je pense que je vais essayer de trahir le DBZ en fait. En vrai, c'est pas sexy. En vrai, il est pas sexy de Marvel Capcom. Ouais, mais c'est moi où le stream est pas bien fluide, quoi. Genre, j'ai l'impression que ça skip. C'est du faux 60 FPS le stream. Dotham wins. It's go time. Allez, on joue contre Yoga Patate. Attends, c'est quoi, c'est Y sous menu? Comment on fait? Bien, attends. Voilà, là c'est un FT2. Ça c'est un FT1, quoi. C'est... Là c'est... Ça va bouger. Bon, du coup par contre on va se faire fumer, quoi. Mais Yoga Patate a pris un Ryu et pas un Dalsim. Je suis sûr à trouver que Dalsim est trop OP. Faut tellement taffer pour obtenir quelque chose de Dalsim, mes amis. Dalsim en mode le premier jour, c'est juste la croix et la bannière. Hein. Ouais, des petites tapes à un Ryu Vanilla. Merde, c'est toi qui... Putain, c'est toi qui a levé trigger. J'ai essayé de faire mon combo, quoi. Ah, j'ai pas validé les options du salon, mais quel jeu de merde! Merde! En plus, pour.
Les Empukyaku, tu peux les casser avec le gros pied en plus. J'oublie que c'est Yoga Patate. Hein. Merde. Faut pas que je sous-estime non plus. Vas-y, on va sortir et je vais valider les options du truc. Sous-menu, modifier les options du salon de combat, promis à 1. Ah voilà, ok, là bon, ça marche. Non, c'est FT1. Bon, il est 5h du matin, on va arrêter là. Hein. On va bientôt, on va pas tarder. Hein. On va. Au moins que vous vouliez m'aider à trouver pendant que vous jouez en fait, pendant que je stream, pendant que ça stream. Moi je peux essayer de faire mes VOD en fait. Je me déconnecte de Street Fighter. Ah, pourquoi j'ai pas fait la... Je vais me reconnecter en Benzaï. Parce qu'en fait... Enfin non, mais je la ferai après. Une fois que j'aurai fini stream, je ferai la VOD sur... World of Warships. Il faut que je me connecte en JVTV pour faire mes VOD JVTV. Attention, gros miroir de Ryu. Parasite. Hein. Pas. En fait, je suis passé dans les rediffs de JVTV, et du coup, c'est pour ça que c'est que de la merde là. Je retrouve pas mon live. C'est quoi le dernier 145 de QI que j'ai streamé? Là, c'est 48 heures de rediff, j'ai l'impression. Oh putain, c'est dégueulasse. Le Nycross Yoga Patate, mais pas les matchs qu'on veut voir, quoi. Bon, il a l'air très très chaud, Yoga Patate. Hein. Let's do this.
Bah oui, c'est la Panthère Rose 2 avec avec Étienne. On est d'accord. Ils ont restreamé. Attends, le 8 septembre. Moi j'ai streamé le 7 septembre. C'est related videos. Putain! Du coup, c'est le 7 septembre au soir que j'ai streamé. Est-ce que je fais partie? Du coup, ça va être le stream qui s'appelle Morning TV, mais c'est débile. Voilà, il est là mon stream, putain. Prompto dans le Hard Corner Final Fantasy XV. En fait, tu jouais Prompto et l'autre gars qui était balèze. Magnifique. C'est pas aussi mal que le chat. Ce félin si rose et malin. Attention, c'est parti, Benzaï Live. 145 de QI, JVTV. Attention, c'est parti, Benzaï Live. 145 de QI, JVTV. Eh oui, je peux jouer. Petit FT1. Donc on joue contre le Rashido de Thaï. Alors à l'époque, j'avais beaucoup de mal contre Rashido. À l'époque, j'avais énormément de mal. Mais bon, depuis je me suis un peu fait au truc. Enfin, du moins au Rashido à la vanille, quoi. Non, il casse mes trucs! Il est fatigant le perso. Non mais il fait trop mal quoi. Il fait trop mal avec des coups en deux, ils sortent en 2-2 quoi. Regarde, genre, il me fait...
En deux trucs, il me fait autant de dégâts, quoi. Bon, les Eagle Strike, on les voit venir, mais... J'envoie la sauce, samouraï. J'envoie la sauce. La sauce. Ah, du coup, je peux jouer contre Snippy. Parti. Donc, j'essaye de faire ma VOD. Bonne qualité. En fait, le coup de ceinture va me... La revanche ultime. Snipey contre Dalsim. Contre Benzaï. C'est parti. Le Shoryuken, c'était sûr. Non, j'ai toujours le caleçon Sony parce que personne n'a donné 1000 balles. Ah oui, j'ai baissé le son pour écouter le son de ma VOD en fait. Ah, du coup, je retombe contre. C'est vrai que quand on gagne, on reste. Du coup, je tombe contre Nightcross, donc là, je vais pas gagner. Ah non, Balzan, yeah. Non, Sensei, non! Ne m'apprenez pas à jouer contre Zangief de cette façon, ça fait trop mal! Ça fait trop mal à l'ego, surtout! Ne pas avoir le match-up, oh. Avoir le match-up et mourir en poule! Oh. Avoir le match-up, prendre 3-0. Putain, mais à la moindre erreur, il change direct en fait. Putain, oh là là, la vitesse! Non, pourquoi je fais ça? Je vais dans ses bras, non! Non! Sois présent des Airbus cette année, oui. Peut-être.
C'était sûr qu'il allait sauter dès le début. Parce qu'avant, il s'était pris le middle kick. Ça y est, il est rang 1999! Rang 1999! Pour tes 20 ans, quoi de beau, quoi de neuf? Arriveras-tu un jour à l'Evo? Oh non! Mais ça y est, je me moque, il se passe de la merde. Quoi. Oh là là, j'ai pas le temps. Senpai, merci. Vous m'avez tout appris. Rang 1999. Rang 1999. Rang 1999. Bon, c'est parti pour Yoga Patate. Premier grand maître du yogi. Premier grand maître yogi qui va avoir à nous avoir bercé sur Benzai Live. Rang 200. Top 200. Rang 199. Rang 1999. C'est dingue. Tu mérites ta chanson, Nightcross. GG. Hein. GG de m'avoir éveillé ma conscience sur Zangief pour être un peu plus carré, mais apparemment t'as fait de la merde aussi. Peut-être la prochaine. Je sais pas. Mais bon, il va falloir partir. Hein. Il va falloir rentrer à la maison. Je découpe ma Panthère Rose 2 et c'est tout. Bon alors là, c'est pareil, hein. Lui je n'ai jamais joué contre ce perso. Les boules de feu sont hyper rapides quoi. Je n'ai jamais joué contre ce perso de ma vie. Attends mais on dirait qu'il est accéléré le perso. C'est quoi ce délire? Mais non mais tu lags là Yoga. C'est pas possible, genre. Le bonhomme il peut pas bouger comme ça là. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Tu es entré dans la zone yoga, yoga. C'est vrai que Nightcross il a un. Il a un emote yoga quoi. Non mais là je vois le scrolling du jeu. Regarde, il est pas fluide le bonhomme! Il manque des frames d'animation du perso! Ah non mais ça lag trop, c'est n'importe quoi. Alors je veux pas mettre en cause les phases de yoga mais. C'est hyper frustrant quoi, le perso on le voit pas et on a l'impression qu'il est accéléré quoi. Il warp dans tous les sens. Mais ce perso il est no skin, no name, et, mais là c'est hyper frustrant qui warp quoi. Super agréable quoi. Mais GG Yoga. Hein. C'est juste frustrant quoi pour la game. Moi je demande que t'as fait ce jeune premier là. Bienvenue à Mongalé. En fait, il le remet dans sa poche. Oh, désolé, j'écoute le son. Je parie que cette ceinture noire permettra à notre petite princesse de vaincre des hommes plus forts qu'elle. Voyons. C'est tout? Je crois qu'il nous manque quelque chose. Ouais, il faut, attends, mais chercher, c'est trop bizarre. Faut aller chercher du sel, je pense, en Israël. Je pense. Les amis, prochaine VOD, après la pause, nous partons en Israël. Et ça va bien se passer, le chat va rester très calme. Benzai Live, à tout de suite. Non, je sais pas où. Non. Merde, attendez, il faut que je mette la pub de Frédéric Lu. Non, non, sinon je serai viré. Attendez.
Non. Merde, attendez, il faut que je mette la pub de Frédéric Lui. Non. Non. Ah oui, genre en concert, j'ai mis. Ah, mon gars. Non, là je l'utilise par terre. Antoine, on n'a jamais fait cette blague. De quoi? Ah, t'as dit, tu peux le faire n'importe où, mais pas ici, apparemment. Oui. 199 francs vont payer comme chèque. Non, non, et on paye, et échange, et rembourse. On ne rembourse pas, on ne rembourse pas, on ne rembourse pas, on ne rembourse pas. Bienvenue à Mongalé. Bonjour et bienvenue sur 145 de QI, l'émission Internet. C'est tellement haut que ça me déclenche le truc. Tu devrais pouvoir tenir cette antenne assez longtemps sans bouger pour que cette pauvre info puisse enfin voir ses Pinimons. C'est quand même assez tordu hein, comme Pinimon. Merci Pinky mon héros. Je vois les Pinimons, ils me parlent et je les entends. Oui. Pareil, c'est parti pour la cassette de Jeanne Fonda. C'est, putain, mais c'est quoi les Kidimons là? Ça a l'air bien. Hein. Regarde cette gueule qui tire quoi. Elles peuvent en plus, t'as vu? Blablabla. Je commence à raconter ma life. Je parle à la VHS, il n'y a pas de son. Bien écouté. Ouais, c'est ça, genre, il y a bave aux lèvres. Qu'est-ce est-ce la jeunesse de Mia Khalifa à laquelle nous venons d'assister? La suite dans les explications sur JVTV 145 de QI, Mentaïne, Etienne. Tout de suite. Ah, j'ai une bonne musique pour vous. C'est bien pourri. Allez, faites pas chier, sortez les yogas là. J'ai rencontré sur internet dans un salon. Le garçon pour qui je suis faite. J'ai ta gueule. Bon là les amis, duel yoga au sommet, c'est un FT1, ça va bourrer, là il croise à droite. Oh là, vous avez vu tellement ils sont forts. Duel de yoga à très très haut niveau. Rang 189 versus rang 1999. On a affaire à du yoga DBZ de qualité.
le mind game va atteindre des cieux célestes, cosmico, incroyable, Yoga Patate, qui enchaîne avec le classico. Ça tente des mind games, oh là là, ça reste en l'air, et ça fait ressort des entières. Que voilà, est-ce que c'est que des jeux de est-ce que téléportera, téléportera pas, ou Veriversal un peu sale, ça met des pichenettes, ça va beaucoup taffer pour mettre une simple choc. Oh là là, le devant derrière qui arrive à infiniser Nightcross, qui sort un Veriversal pour s'en sortir. Oh là là, il brise la boule avec Air Gale. Oh là là, et c'est Yoga Patate qui finit par avoir raison sur le jeu de devant derrière. Nightcross qui arrive à minder avec son ouverture. Il voit venir le téléport de très très loin. Le vortex qui ne fonctionne pas, mais par contre le double gros point qui passe. Il y a des patates qui délaissent son wake up. Nightcross est très très chaud, très énervé. La pression, il la met, il connaît exactement le placement du drill. Sauf que voilà, ça a fait build up le Veriversal. Nightcross qui reste en l'air, c'est vraiment des mix-up assez intéressants. Là c'est Yoga Patate qui commence à voir le truc. Oh, Nightcross qui met le pression d'enfer, mais le Veriversal qui fonctionne pour Yoga Patate pour qu'il s'en sorte. Nightcross a encore quelques options. Et c'est un Air Teleport to High Punch qui fait le café. Ça y est, c'est déjà le dernier round entre les deux. Maître Yogi, incroyable. Yoga Patate a raison, on voit venir la track et sort son petit vortex. Il continue avec l'un devant qui va venir Nightcross. Sauf que la glisse a fini de l'achever. Hop, ça téléporte pour éviter le air gale. Gros téléport en arrière, il se jauge. Ça glisse, ça commence à suer des doigts. Yoga Patate, attention, qui a la super. Ça sort des normaux, bien sûr, pour casser les téléports. La super sort directement après air gale. Donc c'est pour tout le monde. Et après un super finish, Yoga Patate qui met la patate à Nightcross, mais qui s'était pourtant démarqué avec un second round sans équivoque. GG aux deux maîtres Yogi. C'est beau. Bon, est-ce que je peux moins doser le Yoga Patate, le Dalsim de Yoga Patate? Merci Yoga Patate. Non, non, j'ai pas de temps. Attention, Benzaï contre un top 200. C'est parti. Le mec a 30 000 PL, soit 10 fois plus que moi. On est bien. Round 1. Fight. Voilà, il voit venir les... J'ai fini par prendre les dégâts blancs. Non, le V-Trigger qui est pas sorti parce que je regardais son V-Trigger. Oh non. GG. GG Yoga Patate.
Ah, je suis dégoûté pour le premier round. Mais le mind game, yoga, c'est hyper intéressant. C'est un autre jeu, hein. C'est un jeu dans le jeu, et moi j'adore. Bon, il me reste une VOD à faire. Ah, oh, l'adrénaline. En tout cas, on peut voir hein, que les champions qu'on a croisés au début sont restés des champions. Et ont même genre encore plus bougé quoi. En fait je crois que Yoga Patate il voulait juste me taper et puis, puis repartir quoi. Je me demande ce que Nightcross a pensé de ce match. Je veux bien son analyse. Bah le win quit hein, c'est un classique. Jean Dujardin, nous c'est vous, vous c'est vous. Oh merci! Oh là là! Oh, incroyable, ça a bugué, vous êtes sauvés! Allez, sauvez-vous, je mets de la pub, j'en mets de la musique, et ensuite. Nous c'est vous, c'est vous, vous c'est vous, nous c'est vous. Ah merde, fallait relancer le jeu en fait, ouais, fallait tenir. Ah merde, ta curiosité malsaine, elle aurait été aurait aidé à tenir. Là. Voilà. Le chevalier du fier, c'était cool ça. Ouais, le jeu du chef, c'était mieux. Ça a vieilli, hein. Attention. Ouais. Hein. Attention, ça a beaucoup vieilli quand même. Tu sais, bah, des fois j'avais plus de RTL2, c'est quoi. Ah, Yoga Patate qui dit dis donc, MV, t'as fait progresser. Et c'est pas un win quit, c'est juste que je vais dormir. Ça marche, Yoga Patate. Des bisous, hein. Et je suis dégoûté encore pour ce. Je suis vraiment, vraiment dégoûté pour ce premier round là où je regardais ton V-trigger d'allumer. Donc en fait, quand j'ai fait ma dernière glissade pour te prendre les derniers PV, j'ai bourré le V-trigger et en fait, je pouvais pas. J'en avais pas. Puisque je regardais ton truc. Alors que j'avais la super, quoi. J'aurais pu même essayer de gratter la super, quoi. Et gros niveau, hein. Gros niveau, mais j'ai toujours pas les combos, quoi. Moi, j'ai toujours pas les combos. J'ai toujours pas les combos de base, quoi. Mais c'est juste, en fait, le Dalsim, le match-up Dalsim, en fait. Alors, putain, j'ai même pas remis le son normal, quoi, Nightcross. Ah oui d'accord, ça va à l'autre bout du terrain quoi. Dans le drill. Par contre fais gaffe avec le seul petit point, ça te laisse en négatif et après t'es dans la merde quand tu retombes. Ouais. En fait, c'est que ça a tellement bien marché contre MV ce week-end, parce qu'en fait, il prenait pas les phases normales. Mais bon, c'est... Après ce week-end, c'est pas dit que je retouche au jeu. Hein. Voilà, c'est exactement ça le problème. Je fais ce petit point pour mettre une dernière pile. Et là, putain, j'ai loupé le combo, d'accord, ok. Enfin, ça l'a pas fait en safe. Passons safe. Oh ouais.
Tout le monde bouge ses fesses. Oh mais non, il passe au travers. Non mais il s'en bat les couilles. Le perso qui s'en balait quoi. Des bisous, MV l'escroc. Faut pas que j'oublie que c'est Nightcross quand même hein, derrière, hein. C'est pas... Regarde papa, c'est un vortex. Non, voilà, j'ai pas réussi à le faire deux fois, putain, normalement tu veux faire tout le round comme ça, quoi. Bon après... Mais le niveau Yoga Patate reste hallucinant. Mais celui de Nightcross aussi. Hein. Il joue son. Mais qu'est-ce qu'il a Nightcross? Tu vas en profiter pendant que tu joues pas pour me donner ton analyse sur ce match miroir Yoga Patate. Est-ce que tu en as pensé face à Yoga Patate? Johnny Kali n'était pas très halal. Je reste dégoûté pour mon premier round où j'étais hyper tendu. Donc ce Rashido du mal. Ah, il va vite l'enfoiré quoi. En fait c'est que c'est dur de passer d'un perso à l'autre quoi. Genre c'est un des gros trucs de Street Fighter 5, c'est d'arriver à gérer tous les persos sans se reposer entre deux quoi. Là tu vois... Le Eagle Strike. Elle est trop puissante cette attaque. Oh non! Et ma furie à moi! Mais putain, mais je regardais la sienne encore! Putain, mais il faudrait. Vous vous rendez compte à quel point je suis rouillé quoi? C'est pour. Merde. Je me laisse avoir comme ça alors. Plutôt que de faire ma glissade, voilà. Le Raw Match Sim, c'est assez aléatoire vu que c'est pas carré. Premier à trouver une ouverture a quasi gagné le match. Il a plus d'ouverture, j'ai été impatient. Non, non, je parlais du mien, moi contre Yoga Patate, tu m'as pas regardé. Tu m'as regardé toi, et Ouais, pas qu'il me regarde pas faire du vélo. Ça recommence. Oh, Deagle Strike, oh bif. Oh putain, oh là là, mais par contre là, ça, c'est... les petites embrouilles à l'ancienne, elles fonctionnent pas quoi. J'ai sorti ma garde pour rien quoi. Ah d'accord, tu me chopes alors qu'on a vu la freine de ma glissade. Oh, GG. Non mais ouais. Mais Nightcross il m'a pas regardé quoi. Oh non. J'ai failli gagner à 1 PV, j'ai failli à une erreur bête. J'ai foutu Yoga Patate à 1 PV. Ah mais le Rashid il s'en fout hein. Il bourre sa life. Ah oui.
avec Canal J. Je regarderai la VOD. Il était une fois. Ah, moi j'étais en plein colère. Hyper déçu. Ce Rachid en veut. Hein. Des cuisses de fer avec l'audit chauffé. Je suis. Ah merde, fallait relancer le jeu en fait. Fallait finir. Ah merde, ta curiosité malsaine, elle aurait aidé à se faire. Ouais, le jeu du thème c'était mieux. Ça vieillit, hein. Attention. Hein. Attention, ça a beaucoup vieilli quand même. Moi, des fois, j'avais plus d'RTL2, c'est quand ils repassent des vieilles chansons genre Louise Attaque et tout, en fait, ça va, ça ouais. Rend nostalgique quoi. Ah oui, des années lycée, des années collège. Avec ouais. Canal J. Il était une fois. Ah, moi j'étais en plein collège, moi. Louise Attaque. Mais putain, mais attends, mais quand est-ce que j'ai commencé cette VOD de la Panthère Rose quoi? Pas de France, c'est dessus, là. Des cuisses de fer avec. Non, mais c'est pas pour ça. J'arrive pas à retomber sur ma pause. Oh putain, et maintenant. Sextape de Mia Khalifa alors que celle-ci regardait les minicums, les minicums. Non, Bismillah n'offense personne. Tout le monde adore Bismillah. Tu vois, tout le monde a arrêté. Et non, détrompez-vous, je ne coupe pas le son pendant les pauses, j'écoute vraiment les chansons pendant qu'on se reprend un café et tout. Ouais. Du coup, j'ai mon prince d'internet dans la tête, maintenant c'est bon, c'est parti. Mon prince d'internet. Bonjour, il y a du sûr. Merci, TV, putain, sans... enfin, gros. Ils auraient mieux fait de faire un truc en mauvaise 3D. Oh oui, nouveau perso. Round 1. Il est pressé, Nightcross. Oh d'accord, ok. Donc je reprécise, je n'ai jamais joué contre ce perso de ma vie. Ça a l'air infini. Oh là là, le casse-truc. Ça joue tout seul, j'ai l'impression. C'est trop bizarre. Mais on peut pas jouer pareil que les autres Burners. Putain, mais... On peut mettre un lot à distance, quoi. Oh non, elle peut se déporter quoi.
Quoi, ça tape derrière? Quoi? Elle a raison dans des situations, mais genre où Dalsim a jamais tort. La boule magique. Oh. Burk. Faudrait que je fasse les highlights de... Ça bourre toute sa vie. Bah oui, j'ai bien compris qu'il était très pressé, hein. Genki, depuis qu'il est là, il est pressé. Ah, oh, Yuti, t'as fini le best-of. Vas-y, file un lien, fais quelque chose. On le montre en avant-première ici, si tu veux. J'espère que t'es bien rentré, d'ailleurs, mec. Je sais pas ce que je vais VOD, je vais faire en VOD sur du Z Event. Il y a tellement d'heures de live. Un peu encore né dans le Z Event, du coup ça me manque. Ouais, c'est bizarre, hein, l'ambiance, c'est tellement difficile, c'est bien un peu une autre planète. Et c'est passé tellement vite. On a fait passer tellement notre vie. Menot wins. Tellement notre vie dans le truc à streamer que en fait pas trop chill avec les gens, quoi. Bon, on n'était pas là pour ça, hein, mais It's go time. Ça fait déjà 5 heures qu'on live, j'avais dit qu'on liveait une minute, quoi. On liveait juste pour World of Warship. D'ailleurs, faut que je fasse la VOD de World of Warship si je la sorte demain.
Que j'aille chercher un lecteur de carte SD. Envoyer les vidéos. Bon alors cette ménage à 3. Le truc c'est qu'il connaît toutes les phases de Dalsim. Moi j'en connais aucune de Ménat. Alors de loin tu peux faire quoi? Ah oui d'accord. À l'infini. Quoi, elle a un drill? Cheat! Axe! Quoi? Mais non, mais elle a pas le droit d'avoir un drill! Elle a pas le droit d'avoir un drill! Non! Elle a trop d'armes quoi. On dirait un Dalsim qui a pas de défaut. C'est quoi cet enchaînement? C'est quoi cet enchaînement? C'est quoi cet enchaînement? Non, la super qui est pas sortie! La super qui est pas sortie deux fois! il a pas décalé son truc. Oh là là, mais elle est dégueulasse! On la déteste! On la déteste ici chez le Zagag. C'est que le truc qui renvoie les projectiles, ça renvoie aussi les gens. D'accord. Pas fini du tout. Putain de perso. Putain mais elle tape en bas. Oh regardez ça. Oh mais ça tout s'enchaîne là. Ah la gratte, je m'en fous. Je m'en fous, je gratte. You win. Quelle horreur. Ah, elle est infecte. Elle a trop d'atouts, quoi. Non, pas le Rachido du mal. Oh. Ah oui, Nightcross trouve qu'il est dur en Ménat à jouer. Oh, Rachido, non. Oh, Rachido Gouac. Pas le Rachido quoi. En fait, je l'ai battu deux fois en version safe. Maintenant, en fait, ça me fatigue juste. Du coup, je tryhard moins quoi. Voilà, Eagle Strike. Quand il saute. There you go.
fait, il y a trop d'Eagle Strike au pif déjà. En fait, c'est vrai que là, la boule EX est très très bien contre Rachid parce qu'il peut pas le faire tout le temps. J'avais dit prends ton Akuma. On va dire que c'est la fatigue. Le pire c'est que moi j'ai pas de combo hein. Mon Dalsim il est affreux en vrai hein. Mais je vois plus venir les choses quoi. Enfin, à force de jouer, j'analyse plus le jeu et je passe plus son jeu. Ah, c'est vrai que le skin mommy, il est trop beau, quoi. Ouais, Snippy, tu peux revenir, mais faudrait... là, j'y vais. Hein. Il va être 6h. Hein. C'est... Round one. Oh là là, non, il est trop, trop hot, quoi. Mais du coup maintenant voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je m'en fous hein, au timer je te bats hein. Au timer je te bats, t'as pris deux claques. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Qu'un middle kick n'arrive jamais seul avec Dalsim. Tous ces boules et bandages, mes moustiques. Ah, mais il a trouvé un personnage qui ouvre encore plus vite que Dalsim. De façon encore plus dégueulasse, quoi. Je vais pas sortir le taunt download complete quoi, c'est bon je vais télécharger quoi. Ah ça sort le Akuma. La super avait l'air cool, c'est vrai. J'aurais bien aimé la regarder mais bon je voulais pas perdre. Je n'ai qu'un perso dans le jeu parce que je suis une merde. Je m'appelle Benzaï. Je ne sais jouer que Dalsim et encore c'est pas brillant. Le mec a travaillé d'un seul perso, il connaît pas les combos. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, tu lags. Ah merde, il lag. Non, mais alors là, Akuma. Okay.
tellement à la frame quoi, et quand le mec il a une frame sur deux, le gars il est en 30 FPS. Non, il est toujours pas sa gaffe. Attends, elle gratte. C'est le seul qui a des attaques, qui a des boules qui grattent. Qu'est-ce que c'est que ce perso? Genre les règles de Street Fighter 5, c'est qu'il n'y a plus de gratte, mais voilà, Akuma, sauf Akuma. Akuma lui il gratte, c'est pas grave. Ça veut rien dire des boules qui grattent dans un jeu où il n'y a plus de gratte quoi. It's go time. Le mec a le droit de gratter quoi. Qui c'est que ça? Ah oui, Abigail, putain, j'ai jamais joué. Ah oui, putain. Alors ça va être horrible. Je vais me mettre au yoga, je pense. Ça y est. Et pourtant, non, t'es chaud, hein. T'es vraiment hyper bourrin, mais c'est que... Là, c'est bon, tes phases, là, je les ai vues. Alors que pourtant, sous la pression, mais je fonds, je me brise comme une biscotte. Alors. Déjà, il sait comment je vais ouvrir, voilà. Ah ben non, tiens. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire contre Abigail? Déjà, quand il est loin, c'est bien. Avec quoi il... Ah, il peut avancer avec ça, ok, d'accord. Reste loin. Il est tellement grand. Mon dieu. Qu'est-ce qu'il est grand. Mais non, c'est pas moi qui élevais... C'est pas moi qui élevais trigger, putain. Ah oui, d'accord, qu'est-ce que tu veux faire là? Il sait que je vais essayer de faire ma glissade à l'infini. Oh, il boit un truc là. Merci Emeric. Oh putain, mais attendez, on a pris c'est moi, on a pris genre plus de 40 subs ce soir. C'est bien, grâce à Nightcross, on taffe un nouveau perso. Enfin, comment jouer contre eux. Oh là là, ça fait trop mal quoi. Les pichenettes, non mais tu te téléportes pas contre lui quoi, ça ne marche pas. Oh, j'ai pas pu me téléporter. Oh, oh non, tiens, il a loupé sa phase. Oh Dieu merci. Mon Dieu. You win. Il y en avait 451 au début du live. 50. Putain mais c'est fou parce que d'habitude je réclame pas du tout des subs. On m'a juste dit aux Z-Event, je savais même pas que c'était September. Je savais pas. Il est là le sim de Benzaï. Il y avait le match-up Ben. Bah oui, mais regarde, contre les Zangief de Nightcross, le match-up je suis censé l'avoir. Et il connaît toutes les embrouilles anti-Dalsim. Hein. Je suis pas assez armé quoi. Je suis pas assez armé en tant que Dalsim. C'est fou, hein, il faudrait que je taffe un peu plus. En fait, faudrait que je me mette au stick pour faire plus facilement ces combos là.
Oh là là, là il est vénère. Il a attendu son tour pendant le match là. Oh non putain, ça aurait dû passer en dessous ça. Je dis non. Cette histoire de September, bah c'est que les subs sont moins chers, de ce que j'ai compris. Pourquoi se priver si il bourre tellement qu'il avance dans les super? J'avais réussi à faire celui Yoga Patate. Hein. En plus, t'as super, tu fais pas prier pour la placer. You win. Non, non, en fait, c'est Amazon qui rallonge ta part du sub. En gros, c'est Twitch qui renonce à sa... C'est Amazon via Twitch qui renonce à sa part du sub. Où t'as dit, Fra? C'est un rang. Si métal. Ah, t'as une... T'as une Mika? Et Cross? D'ailleurs putain, Nightcross, t'as combien d'heures de jeu? Ça m'intéresse de savoir à combien d'heures de jeu t'es quoi. Moi si je regarde, Street Fighter, je suis à 200 heures de jeu, je croyais avoir 250. Je suis qu'à 200 heures de jeu, putain mais c'est rien sur Street Fighter 5. Par contre c'est au moins 180 heures de DLC. Et c'est ridicule en fait de pas savoir faire bien les combos. Pourquoi je viens de voir, on sait pas. Ah il a par contre t'as taffé les combos, je suis sûr. Je suis sûr qu'il a taffé les combos, t'as dit ça. Mais non. En toi t'es dégâts blancs quoi, mange-les. Oh, la colonne vertébrale. Après, c'est 200 heures de l'an dernier. Hein. C'est 200 heures du Day One sur le jeu Vanilla. Hein. Quand il est sorti, j'avais déjà arrêté de jouer. Nani Buki. Arrête moi la paix. Ce bourrage. En plus, t'as tout le temps raison. Quelle horreur. C'est affreux, Mika. Je joue jamais contre, mais alors. Oh, t'es en fast recovery, mais toute ta life. Oh. Non, PUBG, j'ai 40 heures. PUBG, j'ai 44 heures. Dommage qu'on puisse pas les classer en... On peut classer par jeu les plus joués. Jeu. Par temps de jeu. Ah, mais du coup, SF5 reste le jeu Steam sur lequel j'ai plus d'heures. 207 heures de Street Fighter 5, 86 heures de Modern Warfare 2,
82 heures de Fallout 4, mais c'est pas moi qui ai joué. 74 heures de Dark Souls 3. 71 heures de Mass Effect 2. En même temps, on a fait le jeu 3 fois. 64 heures d'Oblivion. 61 heures de Rocket League. 60 heures de Chivalry. Quand tu m'aurais demandé, j'aurais dit que j'avais jamais joué autant à Chivalry. 57 heures d'Half-Life 1. What the fuck? C'est trop quoi. Sachant que j'ai jamais joué en multijoueur, mais 57 heures d'Half-Life 1. 45 heures de PUBG. 40 heures de Mass Effect 1. 37 heures de Banished. Mais c'est pas moi qui ai joué à ça. 33 heures de Skyline, ça c'est pareil, c'est poli. 32 heures de Jedi Outcast. Pas, on a pas passé 32 heures. 30 heures de Gigantique. On a pas joué 30 heures à Gigantique. Il est cassé le truc, on a jamais joué 30 heures. 28 heures d'Opposing Force, non mais tout est cassé. Hotline Miami 25 heures, Doom 22 heures, Etoful Boyfriend 20 heures. FTL 20 heures, Speedrunner 20 heures, Styx 19 heures. Ultra Street SF5 18 heures, Divinity 18 heures, Overcooked 16 heures, Ori 16 heures, Jedi Academy 16 heures, et on a jamais mis 16 heures de Jedi Academy, on l'a fait qu'une fois le jeu quand je l'ai installé. 15 heures de Skyrim, bon ça c'est parce que avant je l'avais, c'est bizarre d'ailleurs parce que je l'avais sur autre chose. 15 heures de Tomb Raider 1, 12 heures de Dishonored 2, 12 heures de Train 2, 12 heures de Mafia 2, 12 heures de Rogue Legacy, 12 heures de Far Cry, 10 heures de Streets of Fury. C'est trop bizarre. Non mais il y a des jeux c'est totalement pipé genre. Et les jeux c'est pas le cas quoi. 10 heures de Shadow Warrior, 10 heures de Conan Exile, 9 heures de Metro, 9 heures de No Man's Sky, 9 heures de Black Mesa, 9 heures de Dark Messiah, 9 heures de Super Hot VR, 9 heures de Tomb Raider, Reboot, 9 heures de Death of Tentacle, 9 heures de Soma, 9 heures de Duke Nukem 3D. Bon alors maintenant je suis tout rouillé parce que je fais plus gaffe à rien. Le truc c'est que Mika elle est très forte pour avancer au sol, ce qui est le plus dur à briser quoi. Oh là là, ça revient tellement vite ça. Ça sert à rien de passer des yoga fire en pré-fire là. Ouais, il y a peut-être des jeux que j'ai laissé tourner, mais c'est débile. Là par exemple, mon arrière gros point, pourquoi il a pas cassé totalement son saut? Pourquoi il a dit... Il a pris la moitié des dégâts quoi. Oh là, ça fait trop mal! Oh non, putain, elle peut casser son saut là! Oh là là, c'est horrible ça! Oh, c'est trop dur, Mika!